Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un swap avec Karine de la chaîne Fairy Pink. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations ainsi que sa vidéo. Donc, le voici. Pour tout vous dire, on a fait un swap express parce que on s'est décidé mercredi pour le faire. Et donc, on a fait les achats mercredi après-midi et on l'a expédié jeudi. Et là, nous sommes lundi et je l'ai reçu donc lundi matin. À la base, c'était pour la fête des mères, mais bon, avec la poste, on choisit pas. Concernant le budget, on avait dit un petit budget de 20 €, sachant que je pense qu'on l'a dépassé un petit peu toutes les deux. Bah, normal, on voulait se faire plaisir. Alors, je vais commencer par lire la carte. Merci beaucoup pour ta carte. En plus, elle est trop mignonne avec des petits pieds. Et ça m'a beaucoup touchée. J'espère aussi qu'on va continuer à apprendre à se connaître. Donc, c'est parti! Donc, il y a des petits mots dessus les cadeaux. Comme vous voyez, le papier cadeau est trop beau. Le mien, il n'est pas beau du tout, vous allez voir. Mais je n'ai pas trouvé autre chose. Donc, ça, c'est le numéro 10. Donc, on n'y est pas. Hop! Il y a des petites gourmandises, des Kinder Bueno. Parce que je lui ai dit que j'aimais bien les Kinder. Alors, une bonne odeur. Je regarde si ça fume toujours au cas où. Ah super, j'avais dit en plus que je voulais. C'est le gel douche en fait, pop exotique. Donc c'est la nouvelle collection d'Yves Rocher. Et je vais la sentir. Je suis allée en magasin en plus et j'ai même pas senti. Ça sent bon l'été, donc c'est ananas et je ne sais pas trop quoi. D'ailleurs, je sais qu'elle adore tout ce qui est ananas. Hop, le 2. Un peu de détente. Je dirais un masque. On va voir. Et c'est ça, c'est un masque de chez Sephora. Mais j'adore parce qu'elle m'a très bien compris. Enfin, là, les premiers cadeaux, elle sait exactement ce que je voulais. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Le 3. Un peu de gel. Ah, je sais ce que c'est. C'est des gels antibactériens, ça. Merci, Angie. Alors, je suis contente que tu m'en mettes un parce que j'avais testé un, je crois, de la Birchbox et j'avais pas aimé l'odeur. Donc, vu que je suis un peu accro à ceux de Bath & Body Works, je vais sentir tout de suite. Ça va marquer l'odeur. Ah, ça, il sent bon. Par contre, alors, pour décrire les odeurs, je suis vraiment nulle, je suis désolée. Mais il sent très bon. Il est doux. Un peu de couleur. Alors, comme ça, on dirait un fard à paupières mono, mais je me trompe peut-être. Bon, j'avais ma paire de ciseaux quelque part. Au grand remède, les grands moyens. Je crois que c'est ça qu'on dit. Hein. Je suis même plus sûre. Ah là là, ça, ça va suivre. C'est un fard à paupières violet. Alors, pour t'avouer, je mets pas trop ce violet-là, enfin foncé comme ça. Mais je vais le tester et on verra. J'ai déjà testé les fards à paupières Kiko, ils sont très bien au niveau de la pigmentation. Il manque une jolie photo, alors je pense que tu as fait comme moi, c'est un petit cadre photo. Moi je t'en ai mis un aussi. Ah top, 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 top. Alors ça je sais d'où ça vient, c'est Action. Et ça donne à peu près le même format en plus que celui que je t'ai pris. Moi je t'en ai pris un de chez Maison du Monde. Il est juste trop mignon, il ira trop bien sur ma coiffeuse. J'adore. Merci beaucoup. Hop. Alors, le 6. J'espère qu'il te plaira. Alors ça, ça peut être n'importe quoi. On dirait un livre. Je pense pas. Ah si. Ah, il est trop mignon. Un petit cahier. Bon, de toute façon, je lui avais dit que j'adorais les carnets.
Donc c'est un petit carnet. Trop mignon. Le 7. Pour aller avec le 6. Donc là, logiquement, c'est des crayons. Des crayons 4 couleurs, donc on n'en a jamais assez. Et en plus, ils sont trop mignons. Logiquement, là, on est au 8. Du nude. Une palette. Ah non, des vernis. Ça tombe bien parce que j'ai jamais pu tester cette marque. Je n'ai pas de, d'action chez moi. C'est des vernis à ongles, donc je testerai. En plus, comme vous voyez, je viens d'enlever mon vernis à ongles, donc ça va être top, je vais pouvoir tester. Je trouve pas le 9, alors je ne sais pas du tout si c'est moi qui ne sais pas compter. C'est peut-être celui-là parce qu'il n'y a, pas marqué de numéro. Pour tes loulous, j'espère que ça te plaira. Regarde si c'est bien lire parce que bon. J'avais des peluches, je ne sais pas. Et pour tous ces loulous, non, c'est des vêtements. C'est mignon, donc ça c'est pour celui qui est dans mon bidou. Top, c'est trop mignon. Et ah, et top, il va adorer. Et carte pour mon fils, donc pour le grand. Il est trop mignon. Et bon, hein, car vous savez, les garçons, ils adorent ça. Donc merci beaucoup. J'avoue que moi, je t'ai rien mis pour tes enfants. J'aurais dû penser à mettre quelque chose. Mais merci beaucoup. Ça me touche beaucoup que tu aies pensé à eux. J'ai retrouvé le 9. Donc le 9, c'est une jolie fleur. Alors, ça me fait penser à Pierre. En fait, j'ai montré une fleur que j'aimais bien. Donc je ne sais pas si c'est ça. Ça peut les faire un peu... Top, c'est ça. Moi je vais montrer en vert parce qu'il n'y avait pas en bleu, mais je trouve très joli en bleu. Et avec le brun, je trouve que ça va bien. Merci beaucoup. T'as dû exploser le budget. Je me fais un peu ridicule à côté. Donc le 10, le voici. Une jolie déco. Ah, je suppose que c'est de la déco. Ah! Ah, top! C'est génial. En fait, elle m'a pris le cadre, mais en plus grand. Donc ça, c'est génial. Merci beaucoup. J'adore. Je suis super contente parce que c'est des produits Action. Donc un magasin que je n'ai pas chez moi. Et ils font des super jolies choses. Et là, je suis contente de pouvoir mettre une jolie photo. Le 11, encore de la déco. Et là, on dirait un petit plateau. On va voir ça. Ah! Donc oui, c'est un plateau. Enfin, quoi? Oh, c'est original. On peut mettre une photo, en fait, dedans. Je pense que tu as trouvé ça à Action aussi. Ben, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super mignon. Et c'est super original, en fait. Bon, dommage, je pense qu'il a pris un coup. Je vais vous montrer. Regarde Karine, je pense qu'il a pris un coup, mais ça va être... C'est pas de ta faute, c'est le transport, mais sinon super joli, j'adore. Le 12, c'est hydraté. Un baume à lèvres. Ah, j'y arrive pas. Oui. Un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Je lui avais montré ça aussi, en fait. C'est à la framboise. J'adore l'odeur de la framboise. Et le dernier. Mes chouchous. Des phares. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Oh non. Allez, il y a pas de ciseaux. Oh non, c'est complètement noir, ça, pour le coup. C'est une Yankee Candle, donc une tartelette à la vanille. Et
J'adore la vanille. Oh là là, l'été. J'adore. Elle sent trop, trop bon. Voilà, le swap est terminé. Merci beaucoup, Karine. C'est juste top ce que tu m'as pris. En plus, pour un budget de 20 euros, tu as dû exploser le budget. Je te remercie mille fois. Je suis hyper heureuse de l'avoir fait avec toi. Et j'espère qu'on en refera un, peut-être plus tard. Je croise les doigts pour que tout te plaise dans le colis que je t'ai envoyé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite.